dit, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, oui, c'est ça. Une personne. Oui. Il n'y en a pas un qui mange des immortels. Il y en a un qui ne mange pas. Ben, ça sera moi. Je compte les places. Ça sera moi. Oui, c'est vrai. Ça sera. Ah, bon, il y en a qui sont d'origine. Voilà, il y en a un qui mangera Audu, j'espère. Ça dépend pas de moi. Alors, donc, s'il vous plaît. Donc, je vous souhaite la bienvenue à la boisserie, donc dans la demeure historique du général de Gaulle. La maison que vous voyez ici devant vous a été construite à l'origine aux environs de 1810. Et à l'origine, cette maison ici, en fait, c'était une ancienne brasserie. Donc un lieu où on fabriquait de la bière. Et par la suite, donc le nom de brasserie s'est progressivement transformé en boisserie. Donc cette demeure ici s'appelait déjà la boisserie quand le lieutenant-colonel de Gaulle l'a achetée en juin 1934. Il a acheté cette maison ici pour différentes raisons. La raison principale, c'était sans aucun doute pour sa fille, Anne, qui était âgée de 6 ans à l'époque. Et je pense que vous le saviez, elle était née trisomique. Elle était atteinte de la trisomie 21, donc elle était très lourdement handicapée physique et mentale. Et à l'époque, donc, le couple habitait Paris, mais il voulait avoir donc, une maison à la campagne avec un grand parc pour pouvoir s'occuper en toute sérénité de leur fille. C'est à l'occasion de ces travaux que le général en a profité pour faire rajouter donc la fameuse tour d'angle dans laquelle se trouve son bureau, donc qui se trouve à l'opposé de nous, et que nous verrons dans un instant. Ça l'a marqué.